Good morning, Aleid, Nefus, aujourd'hui, Leloï Nishmat, Fortuné Mazal, Bat et Louisa, et Richard Rodman, Fortuné Mazal. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, connectez 5 minutes éternelles, nous étions à Sechet Megillah, Perek Aleph, Mishnah Yud Aleph, En Ben Shilo Lirushalayim, Ella, Shebe Shilo, Ochlim, Kodeshim Kalim, Oma Serchenim, Bechol Aroe, Ovirushalayim, Ovirushalayim, Lifnim, Minachoma, Vekan, Vekan, Kodeshim Kodeshim, Nechalim, Lifnim, Minakelaim. Kdushat Shilo, yesh acharya heter, ou Kdushat Yerushalayim, en acharya heter. Dernière Mishnah de la série des Enben, qu'on a commencé maintenant depuis la Mishnah, je pense que c'est Galet, Gimel, où on a commencé à prendre deux sujets de la Torah qui sont plus ou moins semblables, où il y a malgré tout des nuances, et la Mishnah rapporte en disant il n'y a de différence entre ces deux choses-là que ce point-là, tandis que sur d'autres points, ils sont semblables. Il y a maintenant, on va parler de, on a introduit un petit peu l'idée depuis déjà hier, entre Shiloh et Yerushalayim. Soit, lorsque, on va faire un petit cours d'histoire rapide, lorsque les Bnei Israël dans le désert ont construit le Mishkan. Alors ils ont construit un premier Mishkan. Mais après, lorsqu'ils sont entrés en Eretz Israël, alors le Mishkan, il était résidé dans certains endroits, pendant longtemps même, il était même plus actif. Il y avait ce qu'on appelait des bamot tzibur, des bamot yachid. Il y avait des bamot, c'était des hôtels publics, un hôtel public général pour tout le peuple d'Israël. Mais ça, c'était pas encore une construction réelle, un lieu plus ou moins fixe. Le premier lieu fixe qu'il y a eu pour le Mishkan, c'était le Mishkan Shiloh. Pendant le Mishkan Shiloh, à Shiloh, la ville de Shiloh, il y avait, je crois que ça a duré 14 ans, alors, on avait là-bas installé le Mishkan comme il fallait, on avait mis le Aron HaBrit, le Misbeach comme à sa place, et c'était un lieu assez fixe. Dans ce lieu-là, maintenant, ça avait un statut un petit peu comme un petit Beth Amikdash. Parce qu'il a été construit, qu'on a fixé un lieu, alors dès lors, on n'avait plus le droit, par exemple, dans le reste des villes, de faire des Bamat Yechid, de faire un hôtel personnel. Particulier, comme on a dit, un hôtel particulier. On n'avait plus le droit il y avait un issour, le issour des Bamot, il était rentré en vigueur. Jusqu'à que Shiloh a été détruit, avec les Pelishtim, ils ont pris, et là, lorsque Shiloh a été détruit, et les Pelishtim, ils avaient pris le Aaron pendant quelques mois, ou quelques plus, même quelques années, je ne sais pas. Et donc, maintenant, Shiloh a été détruit, le Am Israël a le droit de nouveau de refaire des korbanot sur les Bamot, dans les hôtels, chacun à sa guise comme il veut. Jusqu'à que, 480 ans après l'entrée des Béni Israël en Israël, il y a eu, à l'époque de David puis Shlomo, concrètement Shlomo Améler, on a commencé à construire le vrai Beth Amikdash. Depuis qu'on a construit le Beth Amikdash, alors on ne peut plus offrir des korbanot dans les Bamot, même à l'extérieur, même quand lorsque le Beth Amikdash a été détruit. C'est pour ça qu'on ne fait plus de korbanot d'aucune manière. D'accord? Du coup, il s'avère que pendant que le Mishkan de Shiloh était construit, ou pendant que le Beth Amikdash était construit, il y avait un interdit de construire, de faire des korbanot particuliers à l'extérieur du lieu désigné pour. Donc c'est en ça qu'ils sont semblables. Il y a maintenant, ça c'était la première, c'est en quoi ils sont semblables, le Mishkan Shiloh et le Beth Amikdash. C'est ce que la Mishnah me dit d'abord, c'est-à-dire j'ai pris la réciproque de la Mishnah en fait. La Mishnah va me dire, il n'y a de différence que ce point, que le point qu'on va parler, tandis que sur les autres points ils sont semblables. C'est quoi les autres points qui sont semblables? Donc c'est sur l'interdit de faire des korbanot dans les Bamot. Maintenant, dans le Mishkan Shiloh, on offre aussi tous les korbanot comme au même titre que le Beth Amikdash. Maintenant, il y a deux sortes de gdusha dans les korbanot. Deux niveaux. Plus qu'on va dire ça de manière un peu... Deux niveaux. Il y a la Kodesh Kodashim et Kodashim Kalim. Kodesh Kodashim, c'est les Kohanim uniquement qui les mangent, si c'est un Khatat ou Hacham, ils les mangent dans l'enceinte du Beth Amikdash. D'accord? Ou à Shiloh, ils les mangent ce qu'on appelle Ben Aklaim. Là où il y avait, entre les Klaim, c'est les toiles qui encerclaient le Mishkan. Les deux Kohanim devaient manger nécessairement les Kodashim là-bas. Kodashim Kalim, c'est le niveau de Gdusha plus cool, plus cal, eh bien, on avait le droit
Alors à l'époque du Beth Amikdash, vous pouvez le manger pendant tout Yerushalayim. Mais interdit de sortir à l'extérieur de la muraille de Yerushalayim. À Shiloh, il faut savoir quelque chose d'original, c'est qu'il n'y avait pas de muraille à l'extérieur. Donc il y avait le Mishkan avec ses toiles qui le délimitaient, c'était son périmètre. Mais après, en dehors, il n'y avait plus d'autres limites. Alors jusqu'où on pouvait manger le Kodashim Kalim? On pouvait le manger le Kodashim Kalim jusqu'à Bechol Arroé, tant qu'on le voyait. C'est-à-dire, on sort, on quitte Shiloh, on est déjà dans le désert, on peut continuer à avancer. On va, tant qu'on se retourne et qu'on voit encore Shiloh, on a le droit de manger le Kodashim Kalim. Tu arrives à un endroit où tu es tellement loin que tu ne le vois plus, où il y a des montagnes qui t'empêchent de voir, c'est fini, tu peux lui manger le Kodashim Kalim. D'accord? C'est ce que la Mishnah enseigne. En ben Shiloh l'Yerushalayim, on a fait maintenant tout à l'oral, regardez dans les mots. En ben Shiloh l'Yerushalayim, il n'y a de différence entre Shiloh et Yerushalayim que. Et là, chez Shiloh, Chlim Kodashim Kalim, on Maaser Sheni Bechol Arroé. À Shiloh, on pouvait manger le Kodashim Kalim, et même le Maaser Sheni, on n'en a pas parlé, c'est lorsqu'on prélève les fruits. On donne un 1/50 pour le Kohen, 1/10 ensuite pour le Lévi, et après on prélève un 2/10, que durant les années 1, 2, 4, 5, on offre, ouais, c'est sur un cycle de 7 ans, les années 1, 2, 4, 5, il faudra monter et manger ses perrotes à Yerushalayim, c'est le Maaser Sheni. Il faut manger dans l'ensemble de Yerushalayim. Alors, à Shiloh, et 3/6, c'est le Maaser Ani, on n'en parle pas tout de suite. Donc, là, à Yerushalayim, il fallait le manger dans toute la ville de Yerushalayim, on pouvait le manger. À Shiloh, c'est le même principe que le Kodashim Kalim. Bechol Arroé. D'accord, on fait ça dans les mots encore une fois. Et là, chez Beshilo, Ochlim Kodashim Kalim, on Maaser Sheni, Bechol Arroé. À Shiloh, on pouvait manger le Kodashim Kalim. Et le Maaser Sheni, Bechol Arroé. De tout poste, de tout lieu, on pouvait encore voir le Mishkan depuis là-bas. Tandis qu'au Birushalayim, l'Ifni Minachoma, et à Yerushalayim, on n'était pas, c'était pas chacun selon ce qu'il voit ou ce qu'il ne voit pas, mais ça dépendait de la Choma, de la muraille de Yerushalayim. Ensuite, Vekan Vekan, Kodeshim Kodeshim, Nechalim, Lefnim, Nakanim. Par contre, là et là, c'est-à-dire que ce soit Mishkan Shiloh ou Mishkan de Yerushalayim, les Kodeshim Kodeshim, Nechalim, juste Lefnim, Nakanim. Ils ne pouvaient être mangés qu'à l'intérieur des Klaim, qu'à l'intérieur des tissus, des toiles de séparation. Ensuite, Kudushat Shiloh, Yashachare Eter, Vekdushat Yerushalayim, En Achare Eter, c'est ce qu'on a introduit dans le cours aujourd'hui. La Kdusha de Shiloh, quand le Mishkan qu'on a inauguré à Shiloh et qu'on a là-bas, on l'a laissé pendant plusieurs années, eh bien, Yashachareya Eter. Il y a malgré tout, après lui, une permission d'offrir des corbanotes dans les Bamot. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a dit, lorsque Shiloh a été détruite, on a eu le droit de nouveau d'offrir des corbanotes, même à l'extérieur du Beth Amikdash, où il n'y avait pas de Beth Amikdash, il n'y avait même pas lu de Mishkan Shiloh. Tandis que, avec Kdusha de Yerushalayim, En Achareya Eter, tandis que la Kdusha d'Yerushalayim, qui a été une Kdusha beaucoup plus forte, eh bien, en Achareya Eter, il n'y aura plus jamais de permission d'offrir des bamotes, même lorsque Yerushalayim va être détruite, on n'a plus le droit à notre époque de construire une bama pour offrir des korbanot. D'accord? Il faut attendre Bezrat Hashem que Mashiach arrive prochainement, et qu'il va nous construire le Beth Amikdash, on pourra offrir des korbanot. Mais pour le moment, on n'a plus le droit d'offrir des korbanot. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov, Salam.